C'est bon, ils ont fait demi-tour. Je suis trop loin. C'est bon. On en est à gros quin. Et là, par contre, faut s'accrocher, quoi. Par contre, celui-là, il était pas à 150, celui-là. Il était qu'à 125. Ah d'accord, ok. Ah ouais, mais non, ça va pas être faisable là. Il tape à 2300. Il fait beaucoup trop de dégâts. Ouais, je suis mort. Putain, puis il me poursuit jusqu'au bout du monde, quoi. Je suis hors de portée. Je suis trop loin. Je n'ai pas de cible. Ah, c'est bon, il s'est barré, mais... Je dois d'abord choisir une cible. Non, mais c'est... Il m'a perdu. Il m'a perdu, je vais pouvoir l'abattre comme ça. Alors par contre là j'ai utilisé ma succube, hein. J'ai pas utilisé mon... En marchant du vide, parce que si jamais il lui reprend l'aggro. Oh là là, tout ça parce qu'il a buggé. Cette chatte de cocu. Tout ça parce qu'il a... Il a foiré son pathfinding. Faut user du bug pour les vaincre, ces mecs. C'est arnaque. Oh, je suis un escroc. Je suis un escroc de première. Là, sur ce coup-là. J'envoie du lourd, hein. Honnêtement. Et il faut faire ça 3 fois, hein. Ok, alors c'était lequel? C'était Alteria. Mais ça va pas être jouable.
Ah, puis si le jeu en plus il galère comme ça. Oh, d'accord, ok. Bon, ben, allez. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi il a planté là, le jeu? Pas de raison qu'il plante comme ça. On entend un deuxième comme ça là. On entend un deuxième à la mano comme ça. Ok, il a le pouvoir de se dupliquer par contre. Je dois m'approcher. Je suis trop loin. Laisse tomber, oublie. Allez, hop. On... J'ai aucune chance. Allez. Ils ont des pouvoirs différents en plus chacun, je peux pas forcément utiliser la même méthode pour tous. On va oublier cette quête, hein. Ouais, ok, y a, là il y a des quêtes, mais... On va essayer celle-là. Parce qu'au moins il n'y a pas un dragon dessus de ouf. Mais ces quêtes-là, à mon avis, il faut les faire en groupe. Faut grouper pour les faire. Ok. Il me faut une cible. Maintenant. Tu vas arrêter de faire n'importe le jeu. Wow. Ok. Et j'atterris juste à côté de lui. Quarante-cinq mille, c'est un demi-élite, mais il est de mon niveau. J'utilise mon marcheur. Oh non, mais le jeu, s'il te plaît, fais un effort. Ouh. Ok, alors on va prendre les devants, hein. Parce qu'il a fallu démolir entièrement mon marcheur du vide là. Donc voyant que sa vie était critique, je l'ai réinvoqué pour qu'il soit full vie. Bon, et ben voilà, j'aime quand ça se passe comme ça. Bon, ça j'oublie, ça aussi. Il y aurait ça, reconnaissance agressive, ça a pas l'air compliqué, mais. Mais je vous dis, on va surtout se concentrer sur les. Sur les quêtes de fief. Et ça, c'est con... c'est quoi? Ah, des essences d'éveil. Ah mais oui, les essences d'éveil, ça sert à mon âme prodigieuse, je suis con moi. Bon, ok, c'est à ça que ça sert. Ouais, bon. Je vous dis, pour le moment, on va vraiment s'orienter sur le fief. Pour le reste, on verra plus tard.
Attendez, je vérifie parce que... Non, je sais pas, il consomme masse de proco là, le jeu. C'est ça surtout. C'est, je sais pas pourquoi il consomme un max de proco. Il y a un truc qu'il est en train de calculer. Le jeu est en train de calculer un truc, je sais pas ce que c'est, mais c'est violent. C'est le rendu, c'est quoi qui est en train de... Ben non, ce serait pas mon processeur si c'était le rendu, ce serait ma carte graphique, mais... Attendez, on va... J'aime pas ça, hein, c'est un peu débile, hein, mais... Mais je vais réduire un tout petit peu le graphisme histoire de voir si ça change quelque chose. Hein. Je vais déjà voir. Non, ça a rien changé au niveau de mon proco, donc. C'est qui? C'est Thor, machin. Non, Vorlax, le briseur de machin. C'est lui. C'est lui qu'il faut que je bute. Où il y a de la vie. Oh là 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 là. On le tente? Alors, on va le tenter, mais avant, je vais me poser genre là. Alors, on a pas suivi en cours de déplacement. Je suis pas en cours de déplacement là. Voilà, ok. Alors, attendez, hop. Voilà, on va juste se camoufler. Et je vais utiliser surtout ça. Et attends. Hop. Ok. Merde! Il a combien l'autre là? 54 000. Putain, une élite, je me casse. J'ai aggro l'autre sans le faire exprès. Voilà. Là, j'appuie plus sur tabulation. Mais non, c'est pas le bon. Ça, c'est un élite. J'ai encore ma flèche jaune. Ok, non, ça, c'est un élite. Ça, je peux pas le. Je peux pas le. Je peux pas test. C'est non. J'avais pas vu que c'était pas la bonne quête que je visais. Voilà. Elle est ici, la quête que je vise. Et donc, c'est gardien Thor. Il est où? Dit ce qui est censé être là, mais c'est peut-être déjà fait buter. Une illusion. Qu'avez-vous à cacher?
Ok. Donc ça, c'est bon à savoir. En fait, tant que je suis déguisé, il est pas trop proche. Mais par contre, c'est pas lui là. Non, c'est pas lui. Tor-El. Il est peut-être en fait juste à côté, puis je le vois pas. Qui va là? Wow! Wow, on se calme. Non, c'est con, il est pas. Ah, voilà. Il est pas là. Il m'énerve le jeu. Un freeze comme ça, il m'énerve. Donc écoutez, si ça se trouve, il s'est déjà fait buter en fait, et puis il faut attendre qu'il respawn. Je vais peut-être aller voir de simplement de l'autre côté, si le jeu veut bien arrêter de. J'ai un truc là. D'accord. Ok, là lui par contre il est là. Ok, il est accompagné, mais lui il est déjà beaucoup plus prenable. Astrix, ok d'accord. Astrix est là, ça va faire mal. Attention la bagarre. Bon. Plus il a un pouvoir de TP, je sais pas trop à quoi ça lui sert. Mais bon. Ah, de quoi mon mâchoire du vide il prend cher hein. Alors, c'est quoi? Clic droit pour ouvrir. Ok, c'est pour. Ah, plus 8 au niveau d'objet. Ok, c'est pour mon. Ok. Ok, ça a utilisé sur mon arme prodigieuse pour augmenter son niveau d'objet. Et donc son niveau d'attaque. Ben c'est cool. Non, c'est vraiment chiant que le jeu il freeze comme ça. Hein. Pourtant, j'ai rien d'ouvert derrière. Hein. J'ai que XSplit quoi. Bon, on verra. Si pour le moment, je vais le laisser. Ça augmente mon niveau d'objet de 8. C'est pas dégueulasse.
J'ai quoi là? Ah oui, j'ai ça. Et j'ai le sifflet maintenant qui me permet de me téléporter au maître de vol le plus proche. Ça peut être pratique, ça. Ok. Bon, ça c'est des composants d'artisanat. Ça C'est peut le être. robot. Ça peut être. Ça peut être intéressant. Ok. On va regarder un petit peu sur la carte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc lui, c'est mort visiblement. Ici, c'est mort. Ici, j'ai une robe. Mais je vous dis, on va vraiment s'orienter plus sur les... Ok. Ici, donc c'est non. Non. Ici, c'est non. Ah! D'accord. Donc ici, il y a... Ah, puis je peux avoir de l'honneur aussi. Donc on va s'orienter vers là. Ah, et puis ici, il y en a une. Ok. Donc on va d'abord aller voir cet avis de recherche là. Après là-bas, c'est que des boss, donc voilà. Puis il n'y a pas de ressources de fief. Mais par contre là, et après on ira à la... On ira là-bas à l'offensive de la tour. On a un capitaine de brigade à tuer et on doit tuer des troupes. Donc on va s'orienter là-bas. Par contre, on va peut-être prendre un fly, un résultat. Quoi qu'on n'a pas de fly proche. Il y a là, ouais, on peut prendre le fly d'ici à là, quoi. Ouais, on va faire ça. C'est quoi ça? C'est contrefort de griffe. Ok. Elle avait un tout proche, mais bon. Non, bah la sphère de cas est très différent de ce qu'on a pu voir avant, quoi. On a vraiment toutes les quêtes accessibles depuis la carte. Ça, je trouve ça ben, déjà beaucoup plus moderne. Je veux dire, il y a beaucoup de jeux qui font ça maintenant. Je trouve que le système est quand même beaucoup plus moderne pour les quêtes, quoi, plutôt que... Enfin, après, c'était sympa aussi de devoir aller sur la carte et de prendre les quêtes à pied, hein. Ça permet de visiter le paysage, tout ça. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, il faut toujours se rendre au lieu des quêtes. Mais vraiment avoir le visuel des quêtes comme ça, directement sur la carte, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus... Déjà beaucoup plus accessible. Par contre, ça fait ramer le jeu, j'ai l'impression que depuis qu'on a ça, ça fait ramer le jeu à mort. Ouais, j'ai balancé un reload pendant le fly, hein. Parce qu'il y a un truc. Après, je sais pas si j'ai une extension qui. Enfin, un add-on qui fait. Qui fait planter le jeu ou un truc dans le genre, mais... Oh, j'ai mon téléphone qui sonne. De toute façon, là, on va arriver à la fin de cette session de tournage.
D'accord. Bon. Attendez. Ah zut. Voilà. Excusez-moi. Après, il y en a beaucoup des quêtes, hein, visiblement, mais bon. J'ai un truc avec interaction là, mais... J'ai un certain Volgar là. Est-ce que ça serait lui? Mais qui est mal placé sur la carte? Zut, zut, excusez-moi, j'ai reçu un SMS important. Excusez-moi, hein, c'est important. Bon, donc ce fameux roi-là, visiblement, il n'a pas l'air d'être là, mais on va essayer de se faire vol machin là, vol rage là. Votre guerre, pardon. Zut, j'ai pas mon... Voilà.
j'ai eu peur parce que la musique s'est carrément arrêtée. J'ai cru que j'étais déconnecté. Ah la vache, d'accord, ok. Il nous a étourdis tous les deux, moi et mon marcheur, quoi. Donc, c'était pas lui. Après, ça dit quoi son truc là? King Forever. Que soit. Ok, d'accord. Donc, que le corps de ce roi déchu soit à jamais embaumé. Encore une fois, c'est écrit en langage très soutenu. Hein. Que son nom soit effacé des mémoires. Et ensouveli sous les vignes, c'est ça? Such is the fate. Pour la honte d'avoir affronté, d'avoir défié le mystique. Un peu vague tout ça. Un honneur, vraiment. Adieu. Ok, bon, bah écoutez, à mon avis, le PNJ est juste pas là. Parce que s'il était là, il aurait respawn. Je veux X, voilà, pour descendre un petit peu. Sinon, ici, non. Il y a un truc, là. Oh, oui, il y a un truc, là. Ouh. Bah je prends ça. Bon bah écoutez, on va se diriger plutôt là-bas alors, on a perdu assez de temps ici. C'était pas... Non bah c'est tout hein, c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y aurait ça, bon. Ça rapporterait quoi ça? Ouais, du sang de Sargeras. Un emploi des traditions, c'est un... Ouais, c'est un truc... On va voir. Allez, Zekai et le Tempête, ouais, c'est... Je crois que c'est les fameux Murlocs, ça. Ah, d'accord, ok. Donc par contre, on va recevoir le marqueur JCJ. Ça veut dire qu'on va passer en joueur contre joueur. Faut pas que je reste là. Faut pas que je reste là, parce que en fait, là, les mobs sont pas activés parce que j'ai pas encore le marqueur JCJ, mais dès que je vais le recevoir, je vais prendre tellement cher. Parce que tous les mobs vont pop d'un seul coup. Et là...
Il n'y a personne. Y a personne? Non, sans deck. C'est buggé ou... Ça a l'air d'être buggé. Ça a l'air d'être buggé. Bon. Bon, il sera désactivé dans 5 minutes, hein. Pour le moment, faut pas vraiment que je croise un joueur de l'Alliance, quoi. C'est quand même con. Donc ces deux quêtes-là, les deux quêtes que je voulais faire ne sont pas faisables. Tant pis, on va passer à Ourok. On va passer à Ourok. On a ici, mais c'est un peu lent. Là, il y a un mec à tuer. À mon avis, on va faire ça. Donc, on va faire cette quête-là. Et éventuellement, après, on ferait celle-là. Il y aurait un mec à tuer. Plus 3, plus 7. Donc il y aurait, ouais, y aurait 11 mobs à tuer. Ah non, graines de cristal. Non, non, il y a 7, 7 cristaux à dégommer. À mon avis, ça doit être une interaction. Donc il y aurait 4 mobs à tuer et un petit peu d'interaction. Donc voilà, on va voir pour prendre le fly à Totem du Tonnerre. Le fly le plus proche, c'est par là. Mais bon, en fait, le fly le plus proche, il est dans mon inventaire. Pas me faire chier. Première fois que je me sors de ce sifflet, je l'avais déjà eu, évidemment, avec ma voleuse quand je l'ai up niveau 110. Va te faire foutre? Non mais sérieusement, va te faire foutre? Pourquoi? Cette violence? Oh putain. Bah écoutez, de toute façon, je mets fin à cette session de tournage. En plus, voilà, j'ai pété mon équipement. Tellement le choc a été violent. Mais là, remboursé, hein. Là, clairement, remboursé pour le sifflet, là. C'est honteux. C'est honteux! Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, je coupe ici, et puis ben sur ce, je vous dis à plus tard. Dans plusieurs jours, à mon avis. Bon, c'est bon. Attendez, j'explique qu'il m'affiche pas que c'est en record, mais je pense qu'on m'entend. Excusez-moi, hein, c'est bon. C'est lancé visiblement. Bon. Donc, nous nous retrouvons quelques jours après, je crois 2 jours après la dernière coupure. Je ne suis pas finalement allé à Ourok. Voilà. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, toutes les quêtes,
Voilà, toutes les quêtes ont un temps restant, un timer. Donc en fait, les quêtes sont constamment en fait, enfin sont constamment, quasiment tous les jours en fait, tous les 2 jours maximum renouvelées. Donc en fait, on va plutôt changer de stratégie et on va s'orienter plus vers le stuff. On va plus, alors à chaque fois, on prendra à chaque fois la quête la moins longue. Et puis, attendez, excusez-moi. Ok, d'accord. Et puis on va améliorer notre stuff. On va surtout se baser là-dessus. Donc je suis actuellement voilà au Sanctum des Ruines et on va faire donc la quête qui est à afficher. Ouais, alors. Si je fais ça, non. Celle-là, on va faire. Super, le tracteur qui passe. Je suppose que vous l'avez entendu dans le micro. On va faire cette petite quête-là. Donc j'ai une dizaine de mobs. Enfin. Une dizaine de mobs à tuer, une interaction à faire et un boss à tuer. Donc on va faire ça comme ça. On va commencer par le boss. Il a l'air d'être là. D'accord. Alors. C'est ça, c'est lui. Il y a 80. Ok. Sinon, il y a lui aussi. Mais j'espère qu'il va pas faire chier l'autre. On va. Donc, je vais sortir. J'ai pas de pierre d'âme. Excusez-moi. Il me faut une pierre d'âme pour invoquer mon démon. Ok. Et donc. Je suis trop loin. Je dois d'abord choisir une cible. Il. C'est moi ou il s'est barré? Bon, on va buter l'autre. Ça va être scripté comme ça en fait. Il faut d'abord que je le dérouille lui. Bon, donc Siphonus. J'avais pas vu ça. Ok. J'avais pas vu à quel point il tapait. J'ai pas vu qu'il avait défoncé mon marcheur du vide et que. Aïe 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 aïe. Ok. Attendez, attendez. Ouais, ça va. Je suis pas encore trop trop loin, mais. Mais ouais, c'est la galère. Ok, d'accord. Ben non, on va peut-être s'orienter vers une autre quête, hein, parce que s'il tape comme ça aussi fort, il a tapé à combien? Ouais, le truc, c'est qu'il tape quasiment. Alors, il tape à 1500, mais il tape super rapidement. Il a descendu ma vie super vite, quoi. Ouais, mais c'est ça, il tape à 1500, quoi. Hey hey. Donc on va essayer de trouver une stratégie, mais.
Bon, donc lui, est-ce que j'ai compris? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, oui, ok. Donc, il despawn. Il faut réussir à s'occuper de lui. Mais par contre, il faut que je surveille la vie de mon démon pour le réinvoquer si jamais il se fait dégommer, quoi. Si je vois que la vie de mon démon, elle descend trop, faut que je le réinvoque. Putain la vache. Je suis quasiment que ça, le réinvoquer en boucle, mon démon. Merde, 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 merde. C'est bon. Mon mâchoire du vide, il a repris l'aggro. Oh, purée. Ok, et donc j'ai vaincu l'autre. Ouh. Ah la vache. Alors lui, il était hardcore. Lui, j'avoue, comme boss, wow, j'ai galéré. Et le truc, c'est qu'il faut jouer avec le marcheur du vide. Sinon, c'est même pas la peine, quoi. Ah d'accord, ok. Ah c'est ces trucs-là qu'il faut que j'interagisse. Ok, c'est avec ces trucs-là qu'il faut que j'interagisse. Ok. Bon, au moins je le sais maintenant. Hop. Donc il me reste encore 3... Ok. D'accord, lui par contre il a plus de vie lui. Bon, il a rien drop. Ok. Donc là-bas, il y en a d'autres à défoncer.
c'est pas bon. Allez, hop, on continue ici. Ok, dernier sabotage. Donc l'objectif, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment donc l'XP en priorité, mais on va se concentrer aussi surtout sur l'équipement. Donc je sais que dans cette région, il y aura une bague aussi à récupérer, on va y aller. Juste en tuant un boss, donc on... Ok, il reste un dernier. En soi, les quêtes de... Comment ? J'ai fait quelques quêtes du domaine de classe. Mais j'ai pas... Enfin voilà, je l'ai pas filmé. Mais en soi, ça se dirige un petit peu comme le fief. C'est pas non plus extrêmement... Donc voilà, donc il y a ça, donc l'anneau de quartz. Donc il y en a deux. Mais on pourra en prendre qu'un de toute façon, donc on va se concentrer sur celui-là. Parce qu'il n'y a qu'un boss à tuer et ça devrait le faire. S'il est pas trop hard, ça devrait le faire. Alors après j'ai vu qu'il y avait voilà, il y avait des quêtes plus spécifiques qui étaient voilà, apparemment qui étaient plus, enfin qu'il fallait plutôt cibler. OK, en fait, il faut accomplir 4 quêtes. OK. Je viens de comprendre, ok. Il faut accomplir 4 quêtes pour chaque expédition par jour, en fait. Pour pouvoir progresser correctement. Ok. J'avais pas compris ça comme ça, mais ok. Mais j'en ai pas eu de coffre. J'ai dû en avoir un, mais j'ai pas fait attention. Ok. Ah oui, et puis ça... Ah d'accord, ok. Donc ça, c'est pas... Ah! Attendez. Je vais me poser. De toute façon, j'y suis. Bon, j'y suis, mais je... D'accord, c'est pas lié à mon arme, ça. C'est lié pour une autre arme. Alors, ils me disent qu'il est au-dessus. Il est au-dessus, ok. Mince. Ah, j'ai arrivé à appuyer sur X un jour. L'entrée de ce truc. Ici. Sauf que non, il a peur d'être là. Il est encore plus haut.
Donc ici je peux pas. Donc faut monter encore davantage. Et encore une saloperie de tracteur. Faut un vaccin du diable. Non, là il me dit plus bas, mais... Il y a un étage intermédiaire? Il y a un étage intermédiaire, ok. Ok, j'ai un garde. Donc c'est quoi? C'est l'inquisiteur Tivos, hein, c'est ça? Ok, j'ai l'air de devoir prendre ce portail. Je regarde un petit peu le... Ok, donc je suis obligé de prendre ce portail, visiblement. Désolé hein, si vous entendez le vacarme que fait le tracteur qui adore, mais... Ok.